Pardon, c'est, je vais trop loin là. T'inquiète, t'inquiète. Mec, Boris, c'est les gros. C'était quoi cette réunion alors? Ah merde, attends, je suis sur le stream, Ah, le troll! Il a disparu juste après la. Il a disparu juste après la réunion? Mais qui? Thomas, allô, allô? Ouais, allô? C'est bon? Ouais? Vas-y. Mec, j'ai l'impression ton micro a changé vraiment de qualité, hein, par contre. Hein. Vraiment? Ouais. Oh non, non. Tu l'as vraiment enculé. Si, si, si. Non, bon. Mais j'ai rien fait, hein, je te jure. Hein. Au début, je l'avais même beaucoup plus que ça. Hein. Ah, comme si, il est tombé, attends. Ouais, si, il est tombé. Ah, bah voilà. Et il y avait les trois chefs de clan et quelques personnes importantes de village responsables de certaines activités du quartier. Oh, le quartier là. Je sais pas s'ils sont concertés à propos des événements tragiques qui avaient lieu dans cette année. Là. Je chantais pour la première fois. Non, rien. Oh, putain, je crois que ça va déjà fait. Et donc sur le chemin du retour, il a disparu. Paru? Distinct. Tain? Distinctement. Temment. Didier. Didier. Quand je pense à Chion, elle l'aimait tellement. Il avait... C'est ça l'épreuve de français? Il avait rassuré quand elle s'était confessée à lui. Non, je suis pas sûr que c'est ça. Le... L'épreuve de français à l'oral. Didier. Du bac plus 3. Je me souviens encore de sa voix si désemparée au téléphone portable. Hein? Quoi? J'ai dit des bêtises. Une bêtise. Attendez, il y a un stick mou. J'ai une bêtise. Ah, fils de pute! Bah alors? Qu'est-ce qui se passe chez Maedic? Il vient éclater un stick mou. Ah merde, c'est moi qui dois dire. Mon petit cri. Attends, attends, attends. Il est où son cadavre, frère? Il était là il y a deux secondes, c'est à dire que je l'ai pas tué. Mec, il a feinté la mort, je te jure. Et... on s'en branle. Mon petit cri de surprise, mais moi-même pris par surprise en fait. Enfin, quand on parle. Attends. Oh, j'ai peur de mon cri. T'sais, il est bloqué, genre il a tout en peur. Mais pourquoi est-ce que j'étais surpris, au juste? C'est vrai, ça. Je me tins la tête. Entre les mains. Pour essayer de me souvenir de ce qu'il m'était passé par la tête à l'instant. Allez, souviens-toi, Manuel Valls. Tu as découvert quelque chose de super important. Super! Super! Important. Du coup, toi, c'était la réponse. Le soir de la putrification, c'était le point de départ. Cette nuit-là, Takano s'est fait kill la kill. Ouais, je l'ai, Le lendemain matin, tout le monde a parlé au village. Ils ont décidé de faire une réunion ce soir-là pour en discuter entre eux. Mais le maire avait une consultation à l'hôpital, très loin, et était parti dans le plus grand secret. Ouais. Il allait consulter le médecin. C'est qu'au médecin, il y a de la glace. Et il a mangé... Ah merde. Et il s'est fait PG dans les transports en commun à cause d'un suicide. On l'a vu cette image-là? Si, au tout début du jeu, quand... J'étais pas là. Quand j'étais avec Gabe. Lorsqu'il est rentré, c'était l'heure de la réunion. Il a changé de veste et il est parti à vélo. En toute hâte jusqu'à la salle du conseil municipal. Donc depuis le moment où il a su pour les meurtres et celui de la réunion, personne ne savait où il était. Dans le plus grand secret, en faisant bien attention à ne pas se faire repérer. Il allait seul à l'hôpital. Et il allait manger seul. Et il est rentré toujours tout seul. Personne ne pouvait le contacter là où il était. Même pas par téléphone portable. Mais il y a un truc
Il y a un truc qui cloche, Keshi. Cloche. Ah, c'est ma chambre. Qu'est-ce qu'il fait là? Je reviens. Emmanuel Valls, dis-moi ce que je dois faire. Emmanuel Valls? Oh, non. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as? Non. C'est elle qui m'a tué. Ouais. Moi. Bah quoi? Comment ça c'est elle qui l'a tué? Bah en gros, elle a dit putain, j'aurais pas dû lui dire, il est au courant, j'ai un témoin, je vais lui niquer sa mère. Voilà. Ah. Vas-y. T'as parle pas, hein, dis-moi, secret entre nous, allez quoi. Moi. J'ai lu dans ma tête. Ok. Je lui ai parlé, je lui ai dit pour le temple. Non, je pense pas que ce soit ça en fait. Je lui ai tout avoué. Je lui ai tout avoué. Avoué ? J'ai avoué au maire que nous étions entrés dans le temple des reliques ce soir-là. Que quelqu'un nous avait vus et qu'il en avait après nous. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Il a répondu quoi ? Il ne s'est pas mis en colère. Il a pas pu, il était mort. Il m'a fait un petit sourire. Il m'a dit que si je regrettais vraiment, eh bien l'Hadès m'épargnerait. Il m'a vraiment, vraiment dit ça en souriant. Et puis il m'a dit que qu'il s'en chargeait. Qu'il ne m'arriverait rien. Oh non, il a la volonté du dit. Putain. Oh ouais, le maire, c'est un beau gosse. C'est Ace au point avant, quoi, là. Je me mis à sucer à grosses gouttes. L'une d'entre elles me glissa lentement le long du... Puis sur le nez. Puis tomba au sol. Je me suis mis à sucer mes grosses gouttes. Mais alors donc, quoi ? Faire ? Bon, vas-y, Pulio. T'es pas celui qui... Quand est-ce qu'elle a pu parler ce jour-là ? C'est vrai, ça. Elle m'avait dit qu'elle avait su ce qui s'est passé en écoutant son daron. Téléphone. À ce moment-là, le maire était à l'hôpital, très loin, injoignable. Il n'avait dit à personne où il allait. Personne ne savait qu'il était parti en fait. Et à cause du suicide, il n'est rentré que très tard, juste avant la réunion. Ah mais donc du coup, elle a fait ce sketch. C'est elle qui l'a tué. Non, chiant, elle peut pas être aussi sournoise. Ah, quoique, j'ai rien. Il est allé en toute vitesse à la salle municipale. Et la réunion a duré jusqu'à la nuit noire. Et lorsque la réunion fut finie... we never know. Ah, pardon les gars, j'ai parlé anglais. Je m'en remets plus compte, genre. Pardon, j'arrête avec la blague. Plus personne ne l'a vu après la réunion. Il s'est volatilisé. Du microphone. Et donc, eh bien, eux. The Sophie de Maibara-san. Maibara-san. Monsieur Maibara. D'ailleurs, vous êtes sûr que ça va? Yes. Très bien, ça très bien. Vous transpirez. Vous voulez que je remette la climatisation? Mon beau-cerf me dit de ne pas continuer à réfléchir. Je me mis à trembler. Toute ma tête tremblait fort, comme un mixeur. Lorsqu'enfin je me calmais, il ne me restait plus beaucoup de cervelle dans la tête. Ça marche pas comme ça, hein. Le corps humain. On aurait tous 5 de cuir actuellement. Ça. Mr. Maibara. Allô ? Ah ! Oui, wak. Non, il y a une voiture dans ma chambre. C'est bon. Oshi ralluma sa clope. J'avais perdu le compte. Le cendrier était plein de mégots. S'il était une indication du temps que j'avais passé à réfléchir, alors j'avais réfléchi à un fameux moment. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais.
Vous ne voudriez pas m'aider? C'est à votre tour de parler. Tenons-moi. Mon vosser ressemblait à un diabolo. C'est apprécié quand même. Un diabolo fraise. Un diabolo à la menthe, mais parfaitement crémé avec du lait. Je n'étais vraiment plus en état de réfléchir. C'est un smoothie ton truc en fait. Voilà, voilà. C'est la merde. Allez. Quoi? Dites. Quelque chose. Quelque chose. N'ayez pas peur. N'ayez ap la peur. Je ne pense pas que vous soyez le coupable. L'inspecteur essaie de garder le sourire et de se montrer convaincant. C'est Madame Macron, en fait. Je sais que vous êtes entré par effraction dans ce temps. Oh, plot twist! Je jouais de la guitare dans le buisson d'à côté. Tout le monde était au courant dans le village dès le lendemain. Putain. Tout le village, Zarma. C'est chiant à la cafeté. Ah, la... Évidemment, Dieu de la loi, c'est un problème, mais ce n'est pas si grave. On est des délinquants, gros. On va nous terminer, gros. Yeah. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Les gens qui sont entrés ont disparu les uns après les autres, ça devrait forcément être terrible. Rien de spécial. Attends, je vois un petit attention. Il y avait le sexe hasard. De quoi? Hein? Comment ça? Merde, je vais lire. Après l'avoir dit, je me rends compte que je vais t'avouer. Après tout, qu'importe. Il n'y avait vraiment rien du tout. Je veux dire, les gens qui sont entrés là-dedans sont tombés les unes après les autres. Même le maire et la petite Rika étaient responsables pour ça, pour avoir changé la serrure. C'est très grave. Alors, il devait forcément y avoir quelque chose dans ce temple pour justifier une telle série de disparitions. J'étais fatigué. J'ai mal au dos. Alors c'était ça qu'il voulait savoir? Tout ça pour ça? Il y avait des tas de vieux instruments de torture qui étaient utilisés au Moyen-Âge. Ça remonte. Madame Dakadem les a montrés. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien du tout de terrible, de plus important. Quelque chose qu'il faudrait passer sous licence, sous peine de mort. Sous licence? T'as rendu sous licence, genre. Mais oui, mais c'est le verlan de science. C'est le bac plus 3, là. C'est le BTS informatique. Wesh. C'est les cours, il me monte à la tête. Je sais, pas moi. De la drogue, par exemple. Je sais, pas moi, de la... Ah, j'ai envie de recracher mon eau dessus. Je me trouve, il m'a trop... Comment ça, les pas cours moi. T'es en vacances depuis 6 mois, là. De la gueudreau, par exemple. Attends. Je suis en vacances depuis le 18 mai. De la... Et des putes, mec. Pardon, je te sors. De la cocaïne, ou du pavot, ou... C'est pas du pavot. Trop petit point. C'est les graines de pavot, c'est pour faire... non, c'est pour la bière, je crois. Ah, c'est vachement illégal, quoi. C'est pas pour la bière, pardon. Attends, je vais regarder parce que t'es perdu. C'est, tu t'en fais du chiche, de la... Ouais, grosso modo, t'en fais... Oui, tu sais... Donc, tu mets pour ses fleurs, ses graines et la sève des capsules qui fournit l'opium. Mais qu'est-ce que l'opium? Ah oui, bah, l'opium, c'est de la gueudreau. Ah, c'est du latex de pavot, ok. Ça m'éclaire tout. Alors, quoi, dans ma tête, ça a sonné pour la bière. Non, la bière, c'est pas ça. Des armes à feu en provenance de Russie. Vladimir Poutine, par exemple, ou la Chine. Kim Jong-un. Ah non, c'est Corée, ça, non? Non, ça, c'est Corée du Nord. Kim Chong. Kim Jong-un. Alors là, après, là, je suis bonne twist, là. Ah merde. Ah non. Ouais. Moi je suis pas d'accord avec ça. Il n'y avait pas de grosses caisses louches un peu partout.
Tintin est tout nu, ouais. Vous, la seule chose qui était gros, c'était moi. On passe à la suite. Non, il n'y avait rien eu de tout ça, de cela. Mais dans les orties, les objets du temple étaient suffisamment. Déjà, c'est vraiment terrible, je trouve. Tu trouves aussi, Matron? Ah, franchement, je ne peux que justifier. Moi, passe à la suite. Et puis, les gens respectaient cet endroit. C'était un lieu sacré. Ils devaient vouer un culte à ce qu'il y avait à l'intérieur. On avait sur la question... Si le... Pardon, je te coupe pas. Mais si le genre d'enfant qu'on entendait, c'était sur le parquet, c'était un genre de, quoi, mec capturé, un esclave. Enfin, pas un esclave, mais un mec séquestré. Pourquoi tu racontes quoi, là, je comprends pas. Quand on était dans le temple, Sion nous a dit qu'il y avait des bruits de sauts. Pas trop, nique ta mère, là. Mais je fais l'OST, elle est pas là, et je suis en RP Oishi, là. Non, en fait, elle est grillon. Alors, tu luttes. Voilà. Vas-y, tu dis quoi, Madik? Quand on est sorti du temple, on a fait « Eh putain, trop chelou les bruits, ça fait trop peur, là, la gaming !» Ah ouais, ouais. Ça se trouve, c'est quelqu'un de séquestré. Et c'est ça qu'il voulait pas qu'on voit. Ah, ok, ok. Peut-être, je sais pas, en fait. Ah, ça, après, il a inspecté après, genre, et il a vu ça, c'est pour ça qu'il veut nous forcer à l'avouer. Du coup, j'en étais, moi, sur la question de l'ADN, c'est vrai. Dans tous les cadres brisés, il n'y a plus de grille. Nous avions tous les cadres brisés un tabou. Merci. Il y a un bordel chez moi, il y a le bruit du jeu, le vent, mon ventilateur, Matro qui fait des grillons. Il fallait nous punir. C'est logique. Je pensais qu'il devait y avoir un terrible secret dans le temple, alors j'ai demandé un mandat de perquisition. Oh. Mais bon, il est bien gardé. Les Sonozaki sont tout de suite venus gueuler, comme moi, que c'était un site protégé, que c'était indispensable de impensable de perquisitionner dans un lieu de culte, que c'était une insulte pour tous les croyants. Quoi ce bruit là? C'est les grillons? What? Mais ils sont dans le jeu? Ouais. Mais c'est bizarre parce que ça s'active que quand ton micro il parle. Ah, comment ça, mon ref? Ah ouais, non, c'est toi, pas trop. J'arrive. Ah ouais, tiens, en fait, les grillons, ils sont là que quand tu parles. Voilà, ouais, singerie. Mais en fait, c'est parce que j'ai un don. J'arrive à faire les grillons, mais pas que je parle. Ça va. C'est ouf. Alors, ça, c'est pas un don, ça. C'est la folie. Faut que j'arrête. Que c'est indispensable de perquisitionner. Insulte encore. Ah, bon sang. Alors, je n'avais pas le choix. Vous deviez absolument me dire ce qu'il y avait. Ce que vous aviez vu. Je suis inspecteur, il n'y avait que des instruments de torture rouillés. Je n'ai rien remarqué de particulier dedans. Alors, Tomisaki et Takano sont vraiment morts pour un simple tabou religieux. Forcément. Que répondre à cela? Un simple tabou religieux? Il en a de bonnes. Vous savez, je ne veux rien vous cacher. Mais vous êtes le dernier. Bah, je suis mort. À part vous, ils ont tous disparu. Vous êtes le dernier encore en vie. Ça est là. Quoi? Mais elle a disparu quand, genre? Aujourd'hui, là? Paru. En pleine journée. Bah, je suis mort. D'accord. C'est quand qu'on a l'évolution? Non, attendez. Est-ce que ça serait pas Fion qui serait mort? Te. Bah, si. Et que Fion se ferait passer pour elle? Ah, non. Non. Ça, c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, dans les deux. Ou alors les deux sont mortes. Fion et Fion. Pourquoi êtes-vous encore sain et sauf? Et tous les autres? C'est ça qu'on a perdu Fion. Et les autres, non.
On a vu personne là pour l'instant, genre. On a vu que Nari. On est en Aver maintenant. C'est ce que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qui vous rend si différent de. On est perso principal. Il y avait un truc qui clochait dans ce qu'il me disait. Vous êtes le. Vous êtes le. Le Quart. Il est con quoi. Attendez une seconde, inspecteur. Vous êtes le quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Ah, bim, que voulez-vous que je vous dise? Vous êtes le dernier encore en vie, quoi? C'est un Shibulidana. Les trois autres qui se sont introduits avec vous ont disparu. Le dernier en vie? Disparu. Mais non. Paru. Il reste chiant pourtant, il force lui. Il reste chiant pourtant. Ce soir-là, Tomitake Takano ont été assassinés. Le lendemain, Shionsonozaki a disparu. Le lendemain. Paru. Attends, mais on avait discuté avec elle plus que le lendemain, non? Oui. Non, bah non. Paru. Bah si, on s'est appelé au téléphone. Au coin de... Pas, frère. Mais si, on l'a appelé au téléphone. Oh la dingue. Elle disait même que le maire, il était parti. En gros, dès qu'on a fini l'appel, il y a un mec, il a chopé après, genre. En même temps que Rika et Kosotoko. Vous êtes le seul encore sur le jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous? C'est ce que j'aimerais savoir. Vas-y, arrête, stop. Il a la dame. Normal. Comment ça, Shion a disparu? Paru. Mais vous déconnez ou quoi? Non. Je m'avais crié dessus. Fais-le, vas-y. Enculé. Mais ce n'était pas important. Je sortais mort, moi, je vais manger. Tomitake était mort. Ah oui. Takano était morte. Oui. Et Shion avait disparu. Paru. Mais quand? Mais qu'est-ce qu'il raconte comme singerie, ce mec? Hop, voilà. Je pensais que vous étiez au courant. Ah non, je suis dans mon pensionnaire. Le sort des mots. Mais non, c'est la première fois qu'on me le dit. Un point d'interrogation. Exclamation. Ou quand? Eh bien, ça remonte pas mal. Laissez-moi compter les jours. Le lendemain de la fête. Oui, c'est bien ça. Ça remonte pas mal? D'ailleurs. C'est quoi son délire? Oh! C'est quoi tes bêtises là? C'est roleplay. Hein. Mais attendez! Si ça remonte pas mal le lendemain de la fête, la veille. Donc attends, là on est le lendemain de la disparition de Rika. On est d'accord? Ah bah ouais. On l'a appelé hier, frère. Concrètement, on était au téléphone avec Shion hier. Hein? Non? Si? Bah si. Parce que au moment où on raccroche avec Shion, on s'en va tout de suite voir Rika et Satoko. C'est pendant la nuit. Et on passe prendre Reina. C'était pendant la nuit. Ah donc, ouais. Il va le dire, mais c'est ça en fait. Les gens sont habitués à ne pas à savoir où elle est. Shionsonozaki est connu pour dormir chez. Shionsonozaki est connu pour dormir chez des oncles quand ça lui chante. Les gens sont habitués à ne pas savoir où elle est. Elle sèche les cours quand elle veut, de toute manière. Ses professeurs ne savent pas trop comment y remédier. Mais enfin, je m'en fous de ça. Je vous demande quand est-ce qu'elle a disparu. Paru. Disparu, point d'interrogation. On tout le temps sur ça. Eh bien, je vous l'ai dit le lendemain de la fête. Déjà, du coup, pourquoi nous, on n'est pas attrapés?
La prison me parcourt tout le corps à rebrousse poil. Ma vision se déforma et je commençais à perdre le sens de l'équilibre. Moi, c'est mon casque qui est en train de perdre le sens de l'équilibre. Fils de pute. Moi, c'est mon sexe. Impossible de me calmer. Une seconde. Non, une seconde. Là, ça fait 2 secondes. Une seconde. Elle avait déjà... Elle était plus là le lendemain. Mais alors, qu'est-ce qui m'a appelé au téléphone hier et avant-hier? Voilà. Mais elle s'est fait prendre avant-hier, hier. Non, mais elle s'est cachée au pire. Mais... Non. Si, c'est la seule raison, elle est planquée, elle est cachée. Elle doit nous le dire, elle est trop conne. Elle m'appelait tous les soirs. Elle m'a remonté le moral tous les soirs. Bah non. Attends. Non. Comment ça? Ah non. Nous étions jurés de nous battre, de ne pas nous faire tuer. Ouais, mais ça change rien. Elle s'est quand même fait attraper après qu'on l'appelait, genre. Non, le lendemain de la fête, c'est il y a au moins 1 semaine, là. Non, mais non. Bah, c'est il y a 3-4 jours. Non, bah non. Bah si. Non, il y a là. Non, bah non. C'était il y a 2 jours, la fête, là. Oui, mais elle nous a appelé hier, c'est pas logique. Ouais, bah c'était hier qu'elle a disparu. Non, c'est pas hier. Regarde, il va le dire, mais non. Bah, la veine mère où il a disparu en même temps que Rika et que Satoko, genre. C'est logique. Ça fait plus de 2 jours. Elle était au téléphone avec moi ce soir-là. Oui, c'était elle au téléphone. C'était elle au téléphone. Normalement. Sachez quand elle veut, ses parents ont l'habitude, alors l'école ne prévient même plus. Nous avons mis du temps avant de nous rendre compte qu'elle avait disparu. Ça avait mal partout. C'est la muscu, ça. J'ai eu un coup de froid dans le dos, c'est répandu sur tout mon corps. Et lorsque ma peau fut glacée, le froid pénétra à l'intérieur de mon corps. Mais en fait, vous vous souvenez? L'après-midi, là. Je vous ai parlé dans la bibliothèque. Elle était avec nous à ce moment-là. Personne ne l'a revue depuis. Tu vois, c'est pas logique, elle nous a appelé. On l'a pas vue, mais elle nous a appelé, genre. Pourtant, là, ça ne change rien pour moi. Impossible de savoir où elle est passée. Alors ce soir-là, elle a dit « Eh, mais ouais, fallait partir quand il y avait Oshi, là. T'es trop bête. » Donc, c'est un bon, elle, à ce moment-là. C'est pas possible. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Lorsque Oshi est arrivée, elle m'avait laissé un plan pour pouvoir s'enfuir. Elle avait dit qu'elle devait aller travailler. C'est trop, elle s'est fait embarquer par les keufs, hein. Elle s'est fait coffrer. C'était hein. Fiant à ce moment-là. Bah non, parce que sinon Oishi serait où elle est. Ah ouais, c'était fiant. Et le soir, elle m'avait appelé. Il paraît qu'elle travaillait au restaurant Angelma. Depuis cet après-midi-là, elle n'est pas venue travailler. Ni depuis, d'ailleurs. Le personnel a essayé de la joindre, mais sans succès. Impossible. C'est pas possible. Ça va? Ça n'a pas gagné. T'as perdu ses couilles ou quoi, Kishi, là? Ce sont que des preuves indirectes, mais... Elle a disparu entre le moment où elle est sortie de la bibliothèque et le moment où elle aurait dû arriver à son travail. Mais alors, juste après m'avoir laissé avec lui? Vous ne saviez vraiment pas, apparemment. J'aurais dû en parler alors. On aurait perdu moins de temps. J'espère que vous comprenez ma situation maintenant. Je n'ai plus que vous comme témoin. Vous devez absolument m'aider. Vous êtes le dernier en vie, parmi ceux qui sont entrés dans le temple. Ce n'est pas possible. Attendez les gars, il y a un bruit monstrueux devant chez Wab, j'ai regardé. Vas-y. Je comprends, c'est vraiment affreux. Ça me pète les oreilles. Oh non, c'est pas vrai. Ça me pète les oreilles.
carrément. Bon, ça va? Ah ouais, ça va, et toi, moi, demain, séance d'eau. Pareil, gros, demain, séance d'eau. Eh, mec, gros, la dinguerie, frère. Quoi? Tu sais que, genre, hier, j'ai cru qu'on était dimanche. Du coup, je me dis, bon, j'ai encore un jour de repos. Sauf qu'hier, on était lundi. Ok. Et du... Bon, je suis là. Et du coup, aujourd'hui, je me suis réveillé, je dis bon, ce soir, je vais me faire pec. Et là, je vois, on est mardi. Putain, waouh! Ah merde, t'as loupé ta séance d'hier, du coup? Du coup, ouais, je vais la faire mercredi, genre. Ok, ok. Parce que tu vois, moi, je faisais 2 jours, une pause, 2 jours, 2 pauses, 2 jours, tu vois. Ouais, ok, t'as 4 séances d'assel, en gros. Allez, 6 buts pour moi contre 2. Ah, sur Rocket League, t'as acheté en mode B. Wesh. Comment ça, mon ref? Bon, chaud. Tu fais chez toi? Ouais, je fais chez moi la muscu. Avec les petites haltères, là. Je suis Alain. Tu peux vous les montrer, vas-y. Ah, attends. Et en fait, c'est un putain de tracteur qui est en train de faire un boucan monstre, genre c'est... Oh, les pecs! Waouh! Regardez-moi cette... Oh, je suis gay, là. Hop, je m'entraîne avec ça, genre. Là, c'est... là, il y a 8 kilos, là. Tac. 8 kilos, c'est... je fais ça la première séance. Genre bras. Vas-y. Fais les gestes. Apprends-nous la muscu. Apprends-nous la muscu, genre. Montre-nous tes gros bras, là. Tu voudrais les biceps ou les triceps? En gros, tac, biceps, tac. Tu peux... Attends, je vais mettre comme ça, genre. Tac. On me voit pas, merde. Bah, dit que ça marche, je vais faire comme ça. Tac, tu peux faire ça, bam. Tu prends la terre. Boum, tu lèves. Bon, ça, c'est très classique, hein, tac. Tac, tu peux faire ça. Tu vas prendre comme ça, tu lèves, bam. Hop. Putain, t'as les biceps longs, enculé, t'es bien. Ouais, merci. Tu prends comme ça, tac. Et vers ça. Ça, c'est incroyable, je trouve. Bon, on voit pas sur la cam des bras. Attends, je vais mettre là. Pas avec 8 kilos. Ça, bam, tac. Ouais. Les biceps, frérot, incroyable, tac. Tu fais ça. Oh. Je vais faire comme ça. Tu me lèves bien en l'air. Derrière. Attends, je vais mettre bien à la cam centre. Tac. Et tu remontes. D'un coup sec, ça c'est incroyable, je trouve. Tac. Ouais, bah ça c'est pour. Moi c'est ce que je faisais pour le. J'aime trop ça. C'est pour la longue portion. Wesh. Il y en a partout sur mon écran. Moi ça me pète les couilles, frère. La longue portion du tricep, je l'ai pas. La testostérone au max, t'as compris. Ça fait con de fou, genre. De quoi? J'ai pas la longue portion du tricep, ça me pète les couilles. Ouais, je peux voler. C'est quoi la longtrotion du triceps? La longtrotion du triceps. En gros, ton triceps, il y a 3 muscles dans le triceps. Vas-y, montre. Et il y en a une que j'ai pas. Comment c'est? Ah, le nul. T'as pas. J'ai aussi un creux sa mère entre pec et abdos. Encore un pec, tu sais. Moi, j'ai une couille en moins, genre. Bah, normal, ça, non? Non? Oui, je sais pas. Ouais, bah, ça, c'est normal, ça. Genre, bah, attends, mais t'es en train d'enchaîner que les gens ont 2 couilles. Je crois, ouais. Oh, il est trop con, lui. Ah non. En fait, parce que je me disais, en se moquant de moi, on disait, hey, il a qu'une couille, on peut lui gober, et il en a plus. Du coup, je leur donnais, genre. Ah bah. Non. En mode Bakugo, là. Bon, on reprend. Ah, faut continuer, ouais. J'ai mis de la pomme sur mon écran. Ah. Et t'as jeté de la pomme. Putain, c'est génial, moi. Et comment ça, genre, ouais, t'es... Moi, je jute de la myrtille. Ouais, t'es un cochon d'Inde, genre, tu manges que... Bon, bref. C'est pas possible. Oh non, ce n'est pas vrai. La prochaine victime, ce sera vous, monsieur Maïba. C'est sûr et certain. Pourquoi il ne défend pas l'enculé? J'espère que vous vous montrerez un peu plus coopératif. C'est pas possible. Non, pas elle. Je voulais lui péter le fiac. C'est pas vrai, non. Elle ne peut pas avoir disparu. Paru.
Bon, il faut arrêter avec ça. C'est du grand n'importe quoi, cette histoire. On m'a téléphoné avant-hier. Elle m'a aussi téléphoné hier. Et elle me rappelle là... Oh là. Et elle me rappellera ce soir. T'imagines, elle la rappelle vraiment ce soir. Voilà, dingue. Ça va. C'est elle qui m'appelait. C'est Chion qui m'appelait. Ah. Oh. Chion, c'est notre qui a disparu depuis un moment. Est-ce que cette phrase-là n'insinue pas que c'était Fion qui a appelé elle ? Oui, clairement. Vous êtes le dernier sur la liste. Mais ça n'a pas de sens. Chion peut pas savoir. Non, Fion peut pas savoir. Oui, ça, en fait. Elle est son sœur. Ouais, mais elle peut pas savoir exactement tout ce qui s'est passé, tout ce... genre le fait qu'elle en ait parlé au maire, tous les trucs comme ça. Même si après, ah, je ça, sais, mec. Putain, on est trop con. Vas-y. Elle a la capacité de Ino dans Naruto. En gros, bah, elle transforme son esprit dans une autre personne, genre. Au pire. Oh la dinguerie. Oh shit, les gars, c'est Chion là. Ah, mais au pire, Chion a juste tué Fion et c'est tout. Hein. Oh. Pour moi, je vois ça. Hein. On est où là? Pourquoi faire, genre? C'est hop là, un kill, tac. Pour prendre sa place? Non, bah non, c'est pas possible. Parce que c'est elle la tueuse depuis le début. Non, ça paraît trop. Du coup, elle se porte disparue. C'est impossible, frère. Son sœur, il s'aime trop, c'est impossible. Non, non, il s'aime pas, frère. Non, mais quand même, les rêves, c'est sa sœur. Ouais. Ça serait trop con si c'est vraiment ça. Moi, pour moi, elle fait passer... Elle se porte disparue. Ah oui. Elle prend la place de Fion. Elle bute tout le monde avec l'apparence de Fion. Elle bute Fion en même temps. Et elle redevient... Elle réapparaît du jour au lendemain en disant... Elle m'a séquestré, mais vous inquiétez pas, je vais mieux, machin. Et elle dit que Fion est morte ou elle est partie par machin et tout. Du coup, elle a là rien et elle a fait les crimes avec Fion. Je sais pas pourquoi. Elle devient chef du clan en plus. Aussi. Bien. Et en vrai, ça peut tenir. Hein. Si ouais. Devait... Je sais pas, on fait des théories tarées ouf. Y'a rien. C'est vrai. Vas-y, mais bref, on s'en bat les couilles. Mais alors, c'est qui m'appelle au téléphone tous les soirs? Comment ça, les couilles? Moi, j'ai qu'une couille. C'est qui m'appelle au téléphone tous les soirs? C'est Oishi. C'est moi. C'est qui m'appelle tous les soirs? C'est pas possible. Non. Oh putain. En vrai, ouais, tu peux le faire mieux que ça, vas-y. Un peu plus RP quand même. C'est pas possible. Non, j'ai pas éclaté mon clavier. Faut pas déconner quand c'est même. C'est pas possible. Non. Je verra. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas y croire. Oula. Bon, je vais acheter un... C'est quoi, touche là, non? Oui. Ah, bah non. Let's go.